Bon après-midi à tous, Gimme 5 vous emmène au Madison Square Garden où hier soir les New York Knicks accueillaient les Phoenix Suns de Jason Kidd et de Penny Hardaway. Le duel entre ces deux équipes logiquement en forme était d'ailleurs le premier match au sommet de ce week-end pour la NBA. L'enjeu de la rencontre pour les Knicks restait à hauteur des Miami Heat dans la course pour le titre de la division Atlantique. Pour les Suns, restés 3e de leur division Pacifique et 5e de la conférence Ouest. L'attrait de ce duel, deux mismatchs, autrement dit deux rapports inégaux à deux postes différents. D'une part, la distribution où Jason Kidd était sans rivaux et d'autre part, le poste de pivot où Patrick Ewing était logiquement très nettement supérieur à Luke Langley. Salle comble, une fois de plus au Madison Square Garden, tout le monde veut voir les Phoenix Suns qui restent sur 8 succès consécutifs et tout le monde veut voir aussi si les Knicks peuvent répondre à la vitesse des Suns. On vous rappelle qu'il y a deux absents de marque du côté de New York, à savoir Canby et Ward. Pour le reste, eh bien, c'est Kurt Thomas qui va rentrer dans le 5 de base et on n'aura pas véritablement de point guard du côté des Knicks. Non, et on va opposer justement Sprewell à Kidd. C'est intéressant de voir et sans meneur de jeu, eh bien c'est soit Houston, soit Sprewell qui vont amener cette balle. Avec peut-être une difficulté vis-à-vis de cette vitesse et peut-être aussi vis-à-vis du repli défensif? Oui, certainement, parce que ce sont deux ailiers qui sont présents au rebond offensif, donc un des deux va toujours devoir revenir. Alors beaucoup d'écrans pour commencer, deux contre deux de part et d'autre et un magnifique shot de Tom Gugliotta. Bon départ pour cette équipe des Suns. Qui bien qu'ayant gagné ses 8 matchs, ses 8 derniers matchs, eh bien, il y avait un retour en zone là. Oui, certainement. Ah. Et un jeu de panier, oui. Bien qu'ayant gagné ses 8 derniers matchs, elle est en train de perdre du terrain par rapport aux Lakers et aux Blazers. C'est dire si cette conférence ouest est forte. Ah, elle est très forte, elle est la plus forte de la NBA. Langley, il fait sortir Ewing. Beaucoup de mouvements, bien fait. Hop, une faute. Une faute d'Ewing. Et Clifford Robinson, un des joueurs qui a manqué au dernier All-Star Game, qui est d'ailleurs un petit peu en retrait depuis lors. Eh bien, Clifford Robinson a profité des écrans et provoqué cette faute à l'intérieur de la raquette. L'équipe des Suns, c'est une des équipes qui fait le plus d'assists dans toute la ligue. Et on va certainement voir beaucoup de jeux collectifs. Oui, et surtout au niveau défensif. C'est là où il y a beaucoup d'aide, ils travaillent très collectivement, défensivement. Ils mettent la pression sur le porteur du ballon et quand quelqu'un est passé, eh bien, la couverture est faite. Vous avez vu, ça reste toujours une équipe faible au niveau, je dirais, du numéro 5, donc du pivot lourd. Luke Langley étant justement peut-être un petit peu lourd ou statique. Alors, c'est Sprewell qui travaille et qui fait travailler Jason Kidd. Il profite de son avantage, ressort bien. 3 points, c'est manqué pour Houston et un bon rebond. De Gugliotta, une superbe passe de contre-attaque. Regardez qui est là-bas. Ah, il n'a pas pris le tir. Penny Hardaway. Étonnant. Et on va travailler. Le tir maintenant. Et il est bon. Penny Hardaway en réussite depuis son retour aux affaires. Il avait manqué 22 rencontres. Et depuis lors, eh bien, il est à 48-49% de réussite. Et Ewing maintenant. Alors un contre un. Oui. Il va le prendre de vitesse. La couverture est faite. Il ressort bien. Sprewell. Manqué, le rebond à la posée. C'est Kurt Thomas. Et de nouveau, Ewing. Il y a une aide défensive. Et il n'y en a plus. Un contre un de nouveau, mais il a dribblé. Alors on peut donner, on peut pas donner. On est patient. LJ. Et bien maintenant il va y aller certainement. L'accélération. Et le bon rebond de Gugliotta. Avec Penny Hardaway qui monte ce ballon. Kidd. Utilise l'écran. Créé. Spécial tout ça. Et il y a du trafic. Oui. Hein. Et c'est quand même Penny Hardaway qui prend le jump shot. C'est manqué. Rebond facile. Oh, c'était quoi ça? Un tip-in? Oui, manqué. Mais ressort bien le ballon pour Robinson. Et bon début de match de cette équipe de Phoenix. Qui en plus de la collectivité allie la réussite.
Vous avez vu, on place un écran quand même pour faciliter la montée du ballon. Houston, bonne passe en direction de LG. LG face à Clifford Robinson. Oh, belle fin. Magnifique. Ah, mais c'est manqué. Oui, short, on l'a entendu crier. Kidd en vitesse, Kidd qui va dans la raquette, qui a vu son trailer. Oh, c'est joliment fait. Plus un. Et tout le monde s'écarte. Ce qui veut dire que Kidd avait trois options de passe à l'extérieur de la raquette, plus son trailer qui venait derrière. Magnifique contre-attaque. Voilà. Il fixe les défenseurs et il donne un ballon simple et une faute de Kurt Thomas. Pendant que Luke Longley est au lancer franc, et bien voilà quelques nouvelles sur Marcus Camby. Vous savez qu'il a été blessé au genou droit, mais il sera de retour dans une semaine. Il a recommencé à s'entraîner. Du côté de Charlie Ward, il faudra encore patienter 3 semaines parce que lui il s'est fracturé un petit doigt de la main. Et par contre, bonne nouvelle pour lui, il est papa depuis hier aux États-Unis, donc depuis vendredi. Papa d'un petit garçon. Tout ça est très bien joué et 2 points pour Ewing. Plus une faute. Mais on remarque la défense de Phoenix. Immédiatement que Houston a le ballon, eh bien, il y a 2 hommes qui viennent contre lui. Et là, belle création. Et bon dribble de dégagement. C'est sévère au niveau de Phoenix. Et ça fait un point de plus. Et un panier en déséquilibre pour Ewing, qui n'aime pourtant pas trop ça. On profite de l'écran. On va donner à l'intérieur, tout ça est logique. Un contre un, il doit le jouer, et bien fait. Ah, un peu court, un peu plat. Et ça peut repartir avec Struwwel qui annonce une phase de jeu. Oui, bras latéral, l'écran pour Houston. Il a arrêté le dribble, post-up. Avantage de taille. Et c'est bon. Quelle magnifique saison pour Alan Houston encore une fois. 49% de shot. Oui, 45 au niveau des 3 points. Et 82 au lancer franc. Partout, c'est parfait. La balle qui ressort bien. Fin de shot de Gugliotta qui redonne à Jason Kidd. Kidd qui, depuis 5 matchs, marque moins de 10 points par match et qui la rate complètement sa passe. Il aurait peut-être un petit problème avec son shot actuellement, alors que là, c'est Scott Skiles, le nouveau coach des Suns. Struwwel. Ça, c'est bien son style. Hein. Utiliser l'écran du haut et en vitesse, essayer de marquer à 45 degrés. Et on travaille à l'opposé du ballon. Bonne défense. De Struwwel. Regardez comme il est bien passé devant. Penny Hardaway. À contre un. Hop, l'aide maintenant. Oh, c'est bien fait. Et c'est parti. Regardez, ça suit. On contrôle. Houston, la création de l'endroit de fond. Il y va, il est contré aussi. Et ça peut repartir avec Kidd. Maintenant, on est à 3. Est-ce qu'il y a un trailer qui suit? Le voilà, mais on préfère sortir sur Penny Hardaway. C'est manqué. Rebond Struwwel. Voilà, on se place. 2 contre 2 au sommet. La voie est libre. C'est manqué. Le rebond. Oh, il est beau. C'est Ewing à l'opposé. Mais oui. Et la première chose à faire, naturellement, c'est de le bloquer, ce que les défenseurs ont oublié. Et ce que vous avez vu, évidemment, c'est un panier facile pour Ewing qui profite maintenant des 2 fautes de Luke Longley qui a été rappelé sur le banc par son coach. La passe à l'intérieur. Robinson, souvent appelé à jouer au numéro 5, Robinson, et qui profite de sa vitesse et de sa technique pour tourner autour des poids lourds adverses. Là, on travaille à l'opposé. Thomas arrive. Non, c'est Houston. Oui. Houston en post-up, mais contre Hardaway. Il joue face, il passe, oh là, il est contré, et c'est parti. Ah, on n'a pas vu, on n'a pas regardé. Peut-être que c'était une erreur de donner tout de suite. Oh, belle fin. Belle fin de passe pour se libérer du défenseur. Van Gundy, on a les 2 plus jeunes coachs de la Ligue face à face. 35 ans seulement pour Scott Skiles, qui a commencé sa carrière de coach en Grèce. En Grèce, oui. À PAOK Saloniki. Et encore un rebond de Lettrell Struwwel. Très présent. La création, on vient l'aider. C'est joli. Joli panier. Quel talent quand même, hein, ce Struwwel. Et quel gagneur. Oui. Hein, on le sent. Ah oui, oui, oui. Hein, quand il a le ballon, il veut aller. Belle utilisation d'écran. Et il prend pas le shot, mais il y avait une bonne défensive. Il vient à l'intérieur. Il doit aller jusqu'au bout. Ah, il rate peut-être le plus facile. Regardez Struwwel qui fonce. Et Gugliotta le bloque.
Patience maintenant. Thomas. Voilà. LG. Post-up. Encore Kurt Thomas. Bien joué. Eh oui. Lui aussi, excellent au niveau du pourcentage de réussite. 49%. On dit de lui qu'il ne prend jamais un shot que quand il est quasi certain de le marquer. Voilà. Et il prend beaucoup de rebonds. Et voilà, René Rogers qui ressort profitant de l'écran. Oui, oui, c'est un zipper move. Et oui, en NBA, on parle de zipper move. Eh bien oui. Donc quand le ballon est à l'aile et que l'ailier reçoit deux écrans. Alors la passe en direction de LG qui ressort cette balle. Maintenant c'est Childs. Le shot est manqué. À l'opposé, il y a du monde, hein, il y a du trafic et c'est Rodney Rogers qui devait se battre. Ben, il a évité le pire, c'est-à-dire le panier d'office. Mais encore une fois, bon travail collectif. Tout le monde touche le ballon. Et que Childs est le deuxième joueur le plus prolifique venant du banc au niveau des assists. Hardaway qui pousse plutôt vers l'intérieur, non, maintenant vers l'extérieur. Là. Ah. Oui. C'est trop court, c'est parti maintenant. Hardaway qui est aussi présent aux assists et aux rebonds, un petit peu comme Jason Kidd. On peut dire que le backcourt de Phoenix est peut-être le plus, voilà. Le plus performant. Le plus performant de toute la ligue. Oui, oui. La passe à l'intérieur, oh là, c'était spécial quand même avec Gugliotta. Kidd, il prend pas le shot et c'est Penny Hardaway qui le prend, il restait 5 secondes, c'est manqué. Rebond gagné par qui? Par Robinson. Deuxième essai. Et cette fois-ci c'est bon. Voilà, c'était trop court la première fois. Eh bien il a corrigé immédiatement. Et on voit que Kidd hésite à prendre le tir, donc il ne se sent pas à l'aise. Un beau travail, mais une bonne aide défensive aussi de Kidd qui va peut-être relancer le jeu. Il est très présent dans la transition, il trouve bien, c'est Robinson et deuxième panier à 3 points en quelques secondes. Voilà, les Suns qui reprennent quelques points d'avance. 4 très exactement. Alors que Childs va chercher l'écran de Kurt Thomas. Il y a une aide défensive, il trouve bien l'intérieur. Oh, il bonne défense. Bonne défense de ses Penny Hardaway qui demande le ballon, donnez-le-moi. Je crée, je ressors pour Gugliotta qui n'enchaîne pas. On prend le temps, il faut sortir la balle. Oh là, long dribble, haut dribble. Oui, ça c'est mal joué. Parce qu'en plus il avait des équipiers qui étaient seuls. Chat, ah là là, autre perte de balle. Avec Penny Hardaway, ah, derrière, entre les jambes. Et un pied sur la ligne. Eh bien c'est un petit peu confus. Oui. Et on va faire un changement avec l'appel de John Wallace. John Wallace qui a évidemment plus de temps de jeu maintenant. Le voici, le voilà. Lui qui a signé comme free agent. Il était reparti du côté de Toronto. Et dans les 7 derniers matchs, 53% de réussite. C'est une des raisons du bon parcours actuel des Knicks. C'est qu'on shot beaucoup mieux à 2, à 3 points et même au lancer franc. Défense de Thomas. Bien joué. Et l'opposé, regardez, ils sont à 3. Et oui, on a parlé. Hein. Et oui. On a entendu les Trolls parler. Ça aussi, c'est une leçon. C'est que tout le monde participe au rebond. Tout le monde est responsable. LG. Allez. Face à Rogers. Il l'enfonce. Il doit ressortir la balle. Rotation du ballon de 3 points. Chris Chai, c'est une bonne aide défensive. On va chercher de l'autre côté LG qui enchaîne par un 3 points. C'est il manqué, est manqué. Mais il fallait le prendre. 30 oui. secondes encore à jouer. Ça va vite. Attention le trailer. Et l'interception. Ah non, la balle reste quand même chez les Bleus. Et c'est Gugliotta qui peut prendre un shot relativement libre. 6 points d'avance pour les Suns. Et une dernière attaque. Allez, il faut prendre le temps et il faut jouer à l'intérieur du jeu. Childs qui patiente. C'est Sprewell qui sort. Tête de raquette. Un contre un pour Sprewell, c'est lui qui va jouer. Voilà, attention, c'est parti. Oh là, c'est difficile ça. Très difficile. Mais il reprend le rebond et il marque juste à la limite. Eh bien, ça peut être important. Ce petit panier, Sprewell, une des bonnes surprises de ce premier quart-temps, remporté de 4 points par les Suns. Voilà, il pénètre, hop, il va se faire contrer. Il doit éviter le contre, mais il suit très bien son mouvement. Et là, en dessous de l'anneau, personne n'ose faire la faute. Ah, il est concentré là. Les Knicks qui ont perdu le précédent match à domicile face aux Toronto Raptors dans un duel qui avait vu Vince Carter briller de mille feux.
Et à 3 points encore. Oh, pas de chance. Non, ça ne veut pas rentrer là. Chiles. Chiles. Alors qu'on a Livingstone qui vient de prendre la place de Kidd en défense. Et un bon panier pour Chris Chiles. Dont on attend plus de points. Voilà. On a longtemps parlé des possibilités de transfert de Chiles avant la deadline de jeudi dernier. Ça ne s'est pas fait. Et vous savez, puisqu'on parle de transfert aussi, que Mo Taylor des Clippers avait été annoncé à un moment. On avait même dit aux joueurs qui venaient jouer du côté des Knicks. Et puis on a, pour des raisons méconnues, supprimé ce deal au grand désappointement du joueur des Clippers. Voilà, Van Gundy devra donc faire avec pour essayer de revenir aux Finals 2000. Beau rebond de Luc Longley. Et tranquillement, on mène. Donc maintenant, on est beaucoup plus tranquille. On va travailler pour Chapman. Il sort à l'opposé. Personne n'est libre. Livingstone. Allez. 2 contre 2. Il bien fait. Choisi côté opposé. Mais oui, mais bien fait. Oui. Il a feinté l'utilisation de l'écran et il est parti de l'autre côté. On joue bien en fonction de la défense. Chiles qui trouve la ligne de fond avec John Wallace bien pivoté. Il est passé. Pivoté. C'était pas mal fait, c'est réussi. Belle vitesse de mouvement. Livingstone encore. 2 contre 2. Edging, bien fait, ça c'est Kurt Thomas. Et bonne aide défensive de Ewing, ça ressort vers Rogers, rotation du ballon, est-ce qu'on va trouver un homme libre difficilement? Il est bon, oui. Livingstone. Ancien joueur des Rockets, Livingstone. Et désormais remplaçant de Jason Kidd, ce qui veut dire qu'on n'a quand même pas un gros temps de jeu. On conteste toutes les passes, oui. Et on travaille. Regardez, la on court, on court. Oui. Et il redonne bien vers Ewing. Ewing qui... Et la couverture est faite. Ah oui, c'est Rogers qui est venu. Ah oui. En deuxième rideau là-bas. Chapman. Livingstone. La balle arrive vers Rogers. Rogers qui va contester la place de Ewing et réussir un bon playback. Et très voilà encore. Puissant, hein. Voilà encore un joueur capable de jouer à l'intérieur du jeu et de prendre des tirs à 3 points également. Avec une faute qui va être sifflée contre qui? Contre Chapman? Oui. Chapman qui est un petit peu disparu de la circulation en cause des blessures et puis surtout l'émergence de plusieurs nouveaux joueurs à l'image de Rodney Rogers et d'un certain Sean Marion qu'on n'a pas encore vu jouer, qui est le rookie des Suns. Ah, il va jouer, il va y aller. La oh vitesse, regardez oh ça. Oh là là. En deux dribbles, oui. Il passe devant un adversaire. Mais ça laisse quand même 7 points d'avance aux Suns. Chapman, il redonne vers Longley. Longley, il ne voulait pas jouer tout seul. Non, mais Longley, je dirais, voilà, ça c'est sa force à mi-distance. Il attendait un tourne-autour qui n'est pas venu. Alors, on doit douter du côté des Knicks pour l'instant. On doit douter, on est à moins 9. Sproul. Et on le laisse jouer tout seul. Hein. Physiquement, il est beaucoup plus fort que Chapman. Allez, c'est en défense maintenant qu'il faut travailler. Voilà. Hop. Avec un homme qui est seul, Rogers. Oh oui, Samuel. C'est bien fait. Et tout ça fait avec facilité. On rappelle que ce joueur est venu de Denver. Il est resté 4 années quand même du côté des Clippers. Et on parle de lui comme le meilleur sixième homme. Oui, certainement. Oh là là. À quoi il faut qu'à la vitesse. Et pour l'instant, c'est Phoenix Latrell Sprewell. Hein. Alors, toujours en défense. Bon mouvement. Avec Penny Hardaway. Oui, bien donné. Ah, paire de balles. Les deux joueurs ont coupé en même temps. Oui. Et finalement, l'abondance. Et alors là, il y en a un qui a pris le ballon en pleine poire. Là. Alors, c'est de l'eau. Et le coca. Non, le bière, coca, coca, ça colle bien. Regardez. Hop là, voilà. C'est de la bière. Bon anniversaire. Allez, on va encore travailler pour Sprewell. Oui. Oh, bonne défense. En position, mais il va faire face. Attention, la baseline. Il tourne. Il y a du monde. Hein.
Il est manqué, mais le poser. C'est raté, oui. Et ça repart très vite avec Jason Kidd qui a bien joué en effort. Jason Kidd, mais il est tout seul. Et regardez Sprewell qui se bat. Il n'a pas gagné devant, il gagne derrière. Et il relance la mécanique pour Ewing. Mais il a marché. Ah, mais on a soufflé une faute. Mais oui. Ça allait vite hein, pour Ewing. Et faute de l'anglais. Bien pris sa part derrière. Et là, il est reparti. Regardez ça. Quel sprint. Oh là. Et là, pourtant, oui. Ewing se jette, mais l'anglais est placé dans la zone où on ne peut pas prendre la charge. Ce qui veut dire que l'anglais va de nouveau se retrouver en problème de faute. Allez, quelques petites explications entre l'arbitre et Ronnie Rogers. Et donc, retour aux affaires pour notamment Tom Gugliotta. On laisse, par contre, l'anglais trois fautes sur le terrain. Kidd, en accélération. Ah oui. On revient, l'anglais, jump shot. Et ça ne veut pas rentrer. Oui. Et Sprewell. Oh, il est partout, et à nouveau. Quel turbo. Inside. Hop. Ewing. On va à l'opposé, donc on lui laisse jouer un contre un. Il a quatre fautes, il doit y aller, il ne doit pas hésiter. Et c'est ça la différence maintenant avec un Ewing. Il n'ose plus aller. Hein, il prend le tir à mi-distance alors qu'il doit provoquer l'anglais. Avec Gugliotta qui prend le jump shot, c'est manqué. Allez, le rebond. Et il est quand même gagné par Ewing. Ewing qui est quand même présent, il est presque à 10 rebonds par match. Présent dans ce domaine. Et ça peut apporter un gros plus quand même au Knicks. Voilà, on travaille pour Houston. Il y avait longtemps qu'il n'avait plus de ballon, lui. Hop, oh. Ben vous voyez pourquoi. Oui, oui. Ça glisse. Attention, il fixe le défenseur, il y va. Là, il y a trois hommes autour de lui. Ouh, c'était difficile, oh, il s'est marqué. Quelle classe, quelle classe. Alan Houston. Et ça revient. Alors qu'on avance un tout petit peu, il reste 45 secondes à jouer dans ce deuxième carton. Et vous voyez que les Knicks sont à plus qu'à un point. Penny. Oui, il est bon. Let's go. Allez, 3 points d'écart. Et encore un aller-retour. Sauf si on prend un tir rapide. La balle à l'intérieur. Inside. LG. Allez, LG. Il doit ressortir. Et la perte de balle. France. Ah oui. Penny Hardaway. On est en 2 contre 1. Et c'est bon. Dernière attaque. Premier carton, ça avait rapporté gros. Au niveau des assists, deux fois plus du côté des Suns que du côté des Knicks. Houston sort. C'est lui qui va le jouer. On voit que Penny Hardaway est appliqué en défense. Hein. Oh, il y a du monde. La balle ressort. John Wallace. Allez, c'est Ewing maintenant. Wouh, c'est bon. C'est bon, à 2 secondes 5. Très bien négocié par New York tout cela. Et on va en rester là sans doute, même s'il reste 3 dixièmes de seconde à jouer. Ce qui veut dire que les Suns vont arriver à mi-parcours avec 3 petits points d'avance. C'était la bonne direction, mais un peu court. Et Sprewell est toujours le joueur qui impressionne le plus après cette première période. Marioli da 3 punti, Super Mario! Aia! Wow! Ciao da! Aia, 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 aia! Glühnheiß! Grande, grande! The dunk to match! Wow! Sega Joe, gonna call me Brian! Bingo! Uno! Excellent pourcentage de part et d'autre, peu de lancers francs, 3 seulement de part et d'autre, et la différence, c'est au rebond. Voilà pourquoi les Suns ont 3 points d'avance. Et c'est de nouveau Sprewell qui est à la distribution avec un bon démarquage de Alan Houston qui profite d'un écran tout en haut de la raquette. Kurt Thomas fait le relais. On est avec Ewing. Allez, il doit jouer. Il doit provoquer. Et voilà, c'est bien fait. Ça, c'est joli. Vitesse, ça. Oui. Oui. Oui, ici, il n'a pas hésité. Hein. Allez, défense. On tourne autour du pivot. Et bien on revient au bon moment. Oui. Au moment où le défenseur ne s'y attendait plus. Exact. Un simple split the post.
Hop, de Condé au sommet. Non, il utilise immédiatement. Houston au tir. C'est manqué. Et beau rebond. Mais Sprewell, c'est véritablement sa vitesse qui lui permet de mettre toujours l'adversaire hors position. Il va tellement vite. Robinson, LJ en défense. LJ. Bonne défense. Eh oui. Bonne défense et Thomas au rebond. Passe en avant, elle est bonne. LJ qui ressort. Ewing. Présent. LJ a complètement changé son jeu lui aussi. Ah ben oui, mais. Il ne shot presque plus. Exact. Hein, on le voit quasiment plus. C'est vrai qu'on ne lui donne pas beaucoup de ballons. Et il reste lui absolument dos à l'anneau alors qu'Ewing est plus face à l'anneau. Avec un bon travail, 300 retours. Oui, hop, ça joue bien. La faute. Oui. Eh bien, on a répondu à cet assaut physique sur Penny Hardaway par une rapide rotation du ballon, ce qui a permis de retrouver un homme libre. C'est quelque chose qui m'impressionne, c'est le jeu collectif des Suns. On bouge tout le temps et on donne bien le ballon à celui qui se libère, qui que ce soit d'ailleurs. Gugliotta, donc vous verrez un portrait. 49 lancés francs sur 54. Ah oui, ça c'est pas mal. Hein. Il y a Kornacek qui fait mieux là. Eh bien, vous verrez un petit portrait de lui demain dans l'émission magazine. Comme vous verrez une analyse sur le jeu de Patrick Ewing, ou plus exactement la manière dont on l'utilise maintenant. Ce sera très intéressant avec les paroles de lui-même et de son coach. Thomas, bien sorti. Allez, il peut le jouer maintenant. Il doit y aller. C'est beau. Et il a provoqué la faute. Absolument, et c'est la quatrième. Oui. De loupe l'anglais. C'est beau parce que c'est fait en vitesse. Ah, troisième. Eh ben, tant mieux, on a mal compté alors. Ah, manqué. Lui qui est à 74% de réussite sur la saison. Eh bien, il va marquer le suivant. C'est bizarre parce qu'il a dit quelque chose à ses équipiers. Mais je pense qu'il a dit vous pouvez rester, vous pouvez rester en dehors. Hein, je vais le mettre. Hein, c'est un peu ça que ça voulait dire. Robinson, bon travail. Bon travail défensif. Fin de shot, elle est parfaite. Le jump shot est pas mal. Il me semble. Et on se bat avec Gugliotta qui va gagner ce ballon. Ah, par contre, celle-là était moins précise. Kidd, on a de toute façon une nouvelle période de 24 secondes. Hein? Robinson. Oui, bien vu. Dans le dos. Il va tirer. Look. Et il y a une faute maintenant qui est sifflée contre Kurt Thomas. Et l'arbitre féminin n'est pas félicité. Et non. C'est sifflé. Et c'est Ewing qui l'a prise. Bonne distance pour lui. 80% de réussite. Alors on peut vous indiquer, regardez, TNT et TBS vont faire deux matchs hyper importants. Heat contre Knicks et Blazers contre Lakers. Voilà deux matchs hyper importants pour les divisions Atlantique et Pacifique. Un peu de presse, oui. Et face à une équipe qui n'a pas véritablement un meneur de ballon, ça peut être important. Oui. Thomas, il doit jouer. Oh, hop, il perd la balle, oui. Et il a faut siffler. Rentrée latérale. Pour New York. LJ, qui patiente. À Houston. Succès, vitesse. Et le tir. Il est monté haut, mais l'a raté. Et Kidd, lui, par contre, il prend le rebond. Il est déjà en contre-attaque. Personne n'a vraiment suivi. Oui. Si, et même au bon moment. Très bien, de Luc Longley. Bien suivi. On sent qu'ils ont maintenant l'habitude de jouer ensemble. Oui, aussi. Oui. On a le bon timing. Bonne défense au Houston. Parvient pas à se libérer. Tourne autour. Sprewell qui passe dans un tout petit trou. LG à 3 points. Il est manqué. Et c'est gagné. Collectivement par les Suns. Mais très bonne défense qui n'a pas permis justement à Houston de recevoir le ballon. On joue dans la ligne de passe. Bonne utilisation. Bien donné. Et on va siffler une percée en force. Et on siffle une percée en force. Et cette fois-ci, ce sera la quatrième.
pour l'anglais. Et l'anglais râle parce que c'était un très bel assist. Voilà l'utilisation de l'écran, la passe en retour. Hop, il donne le ballon. Oui. Bien joué de Thomas. Parce que la charge elle est légère. Bonne défense. Post-up, aide défensive de Gugliotta, la passe à l'intérieur, elle est bien vue. Hey, oui, on va siffler la faute là. Oui, 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 oui. Il l'a provoqué, il l'a bien fait. Parce que ça n'allait pas le gêner. Donc il a amené son dos sur le défenseur pour prendre le tir facile. 2 plus 1. On va revoir, regardez. Hop. La balle est donnée, il feinte, et puis ici, hop, vous voyez, il va chercher le contact et puis il marque. Toute l'expérience est là. Et c'est fait une attaque à 3 points. Toute l'expérience de Ewing, bah oui, c'est presque 38 ans. Oui. Ewing est devenu le 15e meilleur marqueur sur la liste des meilleurs marqueurs de tous les temps. Hardaway. Mais les Suns continuent à faire cette course en tête avec toujours entre 5 et 9 points d'avance. Voilà. Toujours bonne défense. Hein. Oui. Regardez comme c'est difficile de donner le ballon. Powell face à la cible. Un contre un. Attention à son premier pas. Aide défensive en ressort. Le tir à 3 points. Il est bon. Il n'y a pas d'espace. À la dernière seconde, oui. Et il a son adversaire collé à lui. Et aussi important de savoir, le ballon est d'un côté et rapidement il voyage de l'autre côté pour trouver une solution. Oui, on passe bien. C'est bien fait, ça Gugliotta, il y a du trafic, mais ça passe quand même. Et on parle de la défense, et bien vous savez que ce sont deux des équipes qui permettent le moins bon pourcentage de réussite à l'adversaire. New York étant même deuxième dans cet exercice-là, juste derrière les Lakers. Regardez, il est encore loin de la cible. Ils viennent à deux, ça doit sortir, il y a un pied. Donc, nouvelle période de 24 secondes. Mais impressionnant le nombre d'assists du côté de Phoenix, parce que le nombre de balles données en dessous de l'anneau à quelqu'un qui est libéré. Bien fait. Et encore un 2 plus 1. Bien joué. Oui, il est sorti aux 3 points. Pas de possibilité de passe. Regardez, on joue dans la ligne de passe. C'est Ewing qui reçoit la balle. Le backdoor immédiat. Et c'est donné. Et la faute qui lui permet quand même de marquer. Et voilà. Et les Knicks se rapprochent à nouveau. Oui, par séquence de 3 points. Penny Hardaway. Gugliotta. Oui, il demande l'écran. Oui, oui, voilà. Il le demande. Vitesse, il doit sortir la balle. Gugliotta. Il est bon. Excellent shooter. Et on maintient l'adversaire à distance. 48% de réussite pour vous. Tout ça, c'est bon. Oui. Tout ça, c'est bon. Maintenant, on considère qu'un bon pourcentage de réussite, il commence à combien? À 45%. 45, d'accord. Sprewell. Le jump shot. Alors, c'est manqué. Allez, Gugliotta deux fois. Allez, défense. Il faut rattraper ce point qui n'est pas marqué. Et pour l'instant, Kidd ne monte plus le ballon. 2 contre 2, la création, belle interception. Oui. Alan Houston, la passe vers Kurt Thomas, non, elle est presque... Oui, elle arrive, oh là là. Alors qu'on croyait qu'il n'allait pas la recevoir, eh bien il l'a quand même reçu. Et ça nécessite un temps mort pour Scott Skiles. Voilà, belle interception, tout le monde est parti vers l'avant. Alors, pas moyen de lui donner là. Regardez, il fixe son défenseur, il regarde, hop, yes. Et il le donne. Parce que Gugliotta est attiré par le double team à la limite. Ou par l'aide défensive en tout cas. Allez, on est parti sur la phase suivante avec un bon travail autour des écrans. Regardez comme ça bouge à l'intérieur de cette raquette. Tout le monde fait des écrans pour tout le monde. Et Rogers est venu en placer un autre. Alors on va trouver un homme seul, c'est Kidd. Non, ce sera Gugliotta qui prendra le shot. Oh, il a levé la balle. C'est joli. Oui. C'est joli. Il est allé chatouiller le plafond. Et les Knicks qui jouent bien sont toujours à 5 points. Ouvrir le jeu. Hop, il y va. Bien fêté. Et une nouvelle faute. Une nouvelle faute pour Robinson.
On voit qu'Ewing n'hésite plus en deuxième mi-temps à prendre immédiatement son 1 contre 1. Et ça offre quelques lancers francs en plus pour l'équipe de New York. Ça, c'est le programme de dimanche du côté de NBC. Et voilà. À nouveau, une prestation qui sera un 20-10 à peu près pour Ewing. C'est ce qu'on attend d'un bon pivot. Ah, voilà, Sean Marion. Eh bien, il est de retour après une sévère blessure. Alors que là, c'est Penny Hardaway qui prend le jump shot. Vous avez vu le shot, hein, de côté. On reste calme. Inside. Allez. Et vous avez vu le shot en déséquilibre. L'ami Ewing. Il en veut, c'est bien. Et il a encore 2 années de contrat, hein, du côté de New York. 2 années à peu près à 20 millions de dollars. 2 contre 2 au sommet. Bonne aide. Toujours bonne aide. Oui. Et ça, c'était pas mal pourtant. Non. Mais Roger s'est passé juste devant son adversaire plutôt que de couper le long de la ligne de fond. C'est pas vraiment une erreur. Hein. Non, non. D'ailleurs, Hardaway a dit c'est ma faute. Voilà. Alors, Childs est revenu. Houston. 52. On a switché complètement avec Sean Marion qui est sur Alan Houston. Spivel se montre. La balle revient vers Alan Houston et faute du rookie. Le voilà, Sean Marion, sorti de UNLV comme quelques années auparavant un certain LJ, Larry Johnson. Et Sean Marion qui n'était pas au Rookie Challenge tout simplement parce qu'il a été blessé pendant le mois de janvier et le début de février. Il était revenu dans l'équipe des Suns 3 jours avant le All-Star, un petit peu tard pour pouvoir participer à ce Rookie Challenge. Mais il est considéré comme un des 5-6 meilleurs rookies de cette levée qui est excellente. Hein. Qui est excellente, effectivement. Les aides défensives sont terribles. On ne s'occupe pas vraiment de l'anneau, on s'occupe vraiment des portions de terrain. Rodgers, ça doit sortir. Oh, il force. C'est pas possible, ça. Il a provoqué la faute, oui. Mais ça, c'est un tir forcé. Voilà, il est bon. Ah ben voilà les candidats pour le meilleur sixième homme. On parle surtout de Tracy McGrady, mais il faut voir s'il va terminer vraiment cette année en tant que sixième homme ou bien s'il va intégrer le 5 de base de l'équipe du coach Carter. Et puis Rodney Rogers, ce sont vraiment les deux principaux candidats au titre de sixième homme. Retour au match avec toujours les Suns devant. Et pas beaucoup d'espace hein, entre... Non, regardez la défense, elle est merveilleuse. Elle est merveilleuse. La feinte, elle est magnifique, ils sont passe toujours aussi là, entre nos hommes. Ils sont toujours là. Et au rebond, qui est-ce que c'est Sean Marion qui s'est élevé très haut. Et Rogers qui capte cette balle. On sent que c'est une équipe qui est sur 8 victoires consécutives et qui... Et tout le monde est concerné. Voilà. Livingston maintenant. La veille, ils ont été gagnés à Washington. Bien donné. Oh, c'est joli. Ah, pourquoi Penny Hardaway. Ça ne rentre pas et un rebond, il échappe au doigt de Sean Marion. Eh oui, Gugliotta, il n'aurait pas dû shotter là. Oui, mais comme il a perdu à un moment le contrôle du ballon, il a voulu la ressortir. Allez, inside, ALG. Voilà, partir, laissez-le jouer. Laissez-le jouer. Oh, bien fait. Je croyais qu'il allait être contré, mais bien fait. Et lorsqu'on ferme là-bas, parce qu'on voit que le joueur se décale d'un côté, c'est la ligne de fond ou bien c'est le côté préférentiel du joueur? En principe, le côté préférentiel du joueur. 2 contre 2, 50 secondes encore à jouer dans ce troisième quart-temps. Plan de shot, la balle arrive vers Rodney Rogers. Il prend le jump shot et il est contré. Magnifique. Oh, LJ, il fait quand même... C'est vrai qu'on le voit très peu offensivement. Regardez ça. C'est superbe. Il est hyper concentré. Et défensivement, c'est lui le patron. Livingston, seul. Ah, ça ne veut pas rentrer. Oui. Rebond pour qui? Rebond pour Childs. Oui, allez, Childs, c'est parti. Sprewell, attention, l'accélération et les grands pas. Et c'est manqué dans une pipe. Allez. Ça repart de l'autre côté avec Penny Hardaway.
qui va patienter, mais il faudra quand même laisser encore quelques secondes au Knicks pour une toute dernière attaque. C'était une belle occasion de revenir à égalité. Attention, on attend les 7 dernières secondes. Les voilà, c'est parti. Prends le tir de loin. Oh là là. De très loin. Ah oui, c'est manqué. Alors on peut revenir à égalité. Oui, juste oui, oui. LG, pas hésiter. LG va devoir shotter tout seul. Oui. Il est loin, très loin, c'est manqué. Eh bien, 12 minutes encore et deux petits points d'avance pour les Suns. Et très bon match. Livingstone. Sortant de l'écran, c'était Penny Hardaway. Eh oui, c'est bien cette balle pour Ronnie Rogers. On prend de l'espace. Et toujours cette fin de tir pour se libérer, pour attirer le défenseur avant de prendre un dribble dégagement. Ça aussi, nos jeunes doivent absolument comprendre que c'est la meilleure fin. John Wallace. Faux de Kurt Thomas. Écran en mouvement, au milieu de la raquette. Il n'est pas satisfait, Kurt, non, non. Mais... mais il n'y a pas y a de pas contestation. Oui. Alors, Penny Hardaway, 2 contre 2. Bonne défense encore. Et Rodney Rogers qui essaie de faire sa place dans la raquette. Il y a un duel terrible avec LG. Voilà, on est sorti. À deux. Hop, la couverture est faite. La couverture est magnifique de Kurt Thomas. On ressort, on trouve quand même un homme seul, c'est Sean Marion, c'est trop court. Mais il va au rebond, il a de la... il a du jus, il a de la réussite aussi en plus. Oui, il a de la réussite. Mais c'est la deuxième fois qu'on le voit tirer et suivre immédiatement son tir. C'est pas donné à tout le monde. Sprewell est capable de faire ça. Regardez. Hop, il prend le tir et immédiatement il sait que c'est trop court et il suit. Et c'est bon. Et ça, c'est chanceux. Oui, là, il a réussi. Oui. 2m01 pour Sean Marion, mais 97-98 kg, donc ce qui veut dire qu'on est encore relativement longiligne et agile. 7 points d'avance de nouveau pour les Suns en début de 4e quart-temps. Allez, ça va marquer. Devenir difficile. LG. Bonne défense. Regardez la couverture. À deux, à deux. La balle ressort. Il y a un homme seul. C'est Sprewell à 3 points. Il a été touché. Oui. Et Penny Hardaway qui peut repartir. Penny Hardaway en distributeur. Il a connu ça du côté d'Orlando notamment. Penny Hardaway qui va jusqu'au bout et qui va pas marquer. Mais il y a un bon rebond de Sean Marion. Oui. Il n'est pas pris. Ça peut repartir de l'autre côté avec Sprewell. Et de nouveau, on accélère. On allonge les pas. On augmente la fréquence. Et de nouveau, une perte de balle malgré tout. Voilà, et un temps mort demandé. Effectivement, quand plusieurs erreurs se suivent, on demande temps mort pour remettre les choses en place. Et Kidd, oui, au repos. Est toujours au repos. Mais c'est bien quand on peut le laisser au repos, il le faut. Bon écran appuyé, ça tourne bien. Marion. Là, il aurait dû lâcher la balle plus vite. Livingstone. La création. Et bien. Pas mal, pas mal, pas mal. Mais vous parliez de repos, vous savez que du côté de Van Gundy, on a décidé de ne pas s'entraîner jeudi et de ne pas faire de shooter en vendredi parce que on est obligé de trop faire jouer pour l'instant des joueurs comme Sprewell et comme Alan Houston. Effectivement. Donc le repos fait partie de l'entraînement. Et ça, il faut que les dirigeants, je dirais, puissent comprendre qu'à certains moments, un repos vaut un entraînement. La rentrée latérale. Oui. Alan Houston. La balle arrive vers Wallace qui cherche tout de suite l'intérieur. C'est Rodney Rogers qui s'occupe de Ewing. Avantage de taille évidemment pour Ewing. Il en profite, le shot est trop court, le rebond est décidé. Et maintenant on calme le jeu. Et on va travailler collectivement. Allez, il ne faut pas encaisser. Hein. Hop, ça y est. Un aller-oop réussi. Magnifique. Magnifique, on connaît la détente du partenaire. On peut donc jouer très haut. Ah, c'est superbe. Et pour les 8 derniers matchs, regardez, les Suns ont travaillé défensivement. 38% de réussite seulement pour l'opposant. Et c'est ce qui fait la différence. En attendant, beau panier de John Wallace. Alors, que doit faire New York? Voilà. Prendre les hommes beaucoup plus vite, de façon qu'ils lâchent plus vite la balle et qu'ils ne puissent pas s'organiser. Les prendre plus haut. Voilà, plus haut, plus haut. Et le public parvient à aider son équipe. Voilà l'interception, c'est parti. C'est pas mal ça. Et on est à 4 contre 2. Oui, Wallace. Oh, qu'est-ce qu'il fait? Mais allez, il le récupère. La voie est libre, vas-y. Il y a une faute. C'est bon. Allez, c'est mieux, 2 plus 1. Oui, il est content parce qu'il sait très bien qu'il a raté quelque chose qu'il ne devait pas.
c'était plus difficile. Hein, oui. Et bien ça peut donner un coup de booster pour cette équipe. Et la presser pour suivre, oui. Presser maintenant. Et oui. Voilà, prendre l'homme en charge, voilà, plus vite. Alors, Childs. Childs sur Kidd, mais on se méfie quand même. Voilà, defense. Sortant des écrans, qui ? Penny Hardaway. Il n'y a personne de libre à l'intérieur. Ronnie Rogers se balade dans la raquette, mais on laisse jouer Penny Hardaway tout seul. Il va profiter de ce coup de sifflet et de la faute d'Alan Houston. Jules Marion sur le banc. Et du côté des Suns, on a très peu obtenu de lancer franc. Alors on a vraiment déjà ces meilleurs hommes sur le terrain, à peu près de part et d'autre. 1-2 seulement. Wallace pour Childs. Et Van Gundy donc décide d'aller avec un vrai distributeur pour les dernières minutes peut-être. LJ. Oui, il y avait faute. Houston. Ewing. Il va le jouer, il va le provoquer, il va y aller. Difficile. Hein. Et il va marquer, non, le rebond pour Wallace. Encore pour lui. Une faute. Mais non. Belle interception de Hardaway. Oui. Le travail collectif, on essaye de libérer les ailiers. Voilà, écran. Et c'est Hardaway qui sort. Passe. Difficile. Il sait. L'anglais. Il accélère, l'anglais avec son mid-hook. Oui, réussi. Et bien voilà, à nouveau, ben 9 points d'avance et un temps mort pour Van Gundy. Et c'est ce qu'on appelle l'agressivité offensive, c'est aller chercher le contact avec le défenseur dans les règles hein, pour marquer un panier près de la note. Alors les meilleurs au rebond, ce sont deux distributeurs. Vous l'avez vu, on vous assiste, c'est Kidd, il n'y a pas de problème. Et on est avec Alan Houston, voilà, Ewing. Est-ce qu'il peut se rapprocher via la planche? Bien joué. 23e point pour Ewing. Mais 7 points de retard malgré tout. Oui, rien n'est fini. C'est défensivement qu'il faut essayer de rattraper. La fin de shot. Et il y a une faute. De Childs? Oui. De Childs. Oui, on va se montrer un petit peu plus agressif, je crois, au niveau défensif du côté de New York. Alors que la balle ressort vers Gugliotta, jump shot de Gugliotta, ah, il ne veut pas rentrer. Il était pourtant seul. Et Gugliotta qui était à 18 points après 3 quarts temps. Il n'a pas encore marqué. Là. Hop, Ewing demande la balle, la reçoit, ça va couper. Immédiatement il joue, oh c'est beau. Parce qu'il est passé. Et ça provoque un temps mort de la part de Scott Skiles. Je dirais c'est beau, mais il y a un, vous voyez. Luc Longley avait aidé sur celui qui avait coupé, donc ça lui a permis d'aller vers l'intérieur du jeu. Et il aurait dû obtenir une aide, Luc Longley, mais peut-être. Oui. Rogers. Alors, il y a deux hommes qui venaient sur lui, il s'est débarrassé du ballon, ce n'est pas assez rapide. On ne dépasse encore. Hardaway, hop, qui retrouve. Allez. Ah, l'anglais, ça va être difficile. Non, ça. Retour arrière. Eh bien, on sent que les Knicks ont réussi à élever d'un petit cran, c'est leur ça, jeu défensif. Et ça pose peut-être un petit problème aux Suns. Au niveau des pertes de balles, bah, c'est excellent des deux côtés. Hein. 13-9 pour l'instant, ça reste tout à fait bon. Excellent sur un match, oui. Voilà, Robinson va s'occuper des wings plus rapides, peut-être moins costauds. Et on laisse toujours Sprewell. Non, le voilà, il est revenu. Sprewell est revenu. Voilà. Que va-t-il faire? Hop, inside, bonne défense, allez. Aide défensive parfaite, l'accélération, non, il faut quand même ressortir. C'est Child maintenant qui passe entre deux hommes, qui retrouve Sprewell, jump shot de Sprewell, ça non, ne rentre pas si. Chanceux. Allez, ça revient. Et oui, ils reviennent. Defense, la passe. Oh, trop de liberté. Yota. Ça, c'est une erreur. Et il n'y a pas de faute. On aurait pu siffler une fois. Oh oui, hein. Oui. Oh oui, parce qu'il y a un contre après, mais au départ, il y a un contact assez douteux. Voilà, sort. LJ
qui s'est reposé 52 secondes sans doute, revient. Et un ballon, oulala, la passe gagné. Était très dangereuse. Et on part en contre-attaque. La balle à Houston, il feinte, il tire. Il marque une fois de plus, chanceusement, mais on revient à un point. Un point de retard et un peu moins de 3 minutes à jouer. Bien, le match a rebondi par un 8-0 en faveur des Knicks. Allez, celle-là, qu'il faut travailler collectivement quand la défense est de plus en plus serrée. Kidd, oui, pas de ballon. Alors c'est le Gugliotta qui est un peu trop impatient. Donc il a beaucoup trop hésité, qui a cherché à faire la passe et tout. Childs qui profite de l'écran. Voilà, hop. LG très haut. Sprewell qui profite de l'écran à son tour. Il y a une bonne aide défensive. On reste toujours aux 3 points. Childs qui marque. Et c'est un 3 points. Et ça donne l'avantage, quasiment le premier avantage de cette deuxième mi-temps pour les Knicks. Complet retournement de situation. Voilà, la création, il sort. Et il est bon. Et on va encore en reparler de ce 3 points de Childs et surtout de cette importance pour les Knicks d'avoir un point de garde qui peut voilà. mettre des paniers. Et bien nous y voici, 2 minutes 24. On est donc entré dans le moment décisif de cette rencontre et les Suns, qui n'ont quasiment jamais été mangés ou plutôt menés, vont devoir trouver la solution. Bonne défense encore, c'était Ewing, hein. Absolument, qui a plongé mais sur la de loin. Kidd. Et Sprewell qui peut partir, on est presque plus rapide que les autres. Sprewell qui patient. 2 minutes encore à jouer. Jump shot, Childs. Wow, Childs. Oui. Et c'est Camby qui se lève comme ça pour apprécier la prestation de son partenaire. 4 points d'avance pour les Knicks. Et bien, il y a un genou au sol du côté des Suns avec ce 13-0. Faute de Childs. Oui. Oui, il a beau dire que Kidd est allé vers l'avant, il est faute. Et il va y avoir des lancers francs. Ah, regardez, il a les libertés. Et c'est Kidd qui avait essayé d'intercepter la passe. Alors qu'il doit d'abord prendre en charge son vis-à-vis. Alors les lancers francs, normalement, c'est un domaine où Kidd est brillant. Vous voyez qu'il n'avait pas encore marqué le moindre panier. Et par contre, 12 assists et 10 rebonds. Et voilà, 2 sur 2 au lancer franc pour Jason Kidd. Il a quand même un problème pour l'instant. Oui. Au niveau des shots. 100 secondes. Childs. Oui. Vers Ewing, c'était difficile. Sprewell, Houston. Ewing qui demande la balle, la reçoit. On va ouvrir, il va jouer un contre un. Il va perdre la balle. Ballon perdu. 10e perte de balle pour les Knicks. Oui. Et les Suns qui peuvent revenir à hauteur, voire reprendre la tête de cette rencontre. Vous voyez ici, c'est la défense qui a beaucoup plus d'importance que l'attaque pour l'instant. Voilà. On a switché, hop, la couverture, elle est trop tard. Et le jump shot est manqué par Gugliotta qui lui a perdu complètement ses marques et presque le rythme de la rencontre, lui. Une bonne minute à jouer, temps mort pour Van Gundy. Bataille entre les deux jeunes coachs maintenant. Bataille tactique, bataille de nerfs, dans laquelle on peut peut-être se dire que les Knicks ont un avantage. Ils sont chez eux, ils ont l'habitude de jouer sous pression. Oui. Et vous savez que face à l'Ouest dans leur salle, eh bien, ils n'ont perdu qu'un seul match. Ils en sont à 8 victoires contre une défaite. Et la surprise aussi, c'était contre Denver. Contre Denver, oui. Justement, ils l'ont peut-être pris de haut. Alors que quand ils jouent effectivement contre les teneurs de l'Ouest, ils sont toujours concentrés. Alors, Childs. Et on travaille, c'est Houston qui obtient ce ballon, mais là dans les pieds, c'est difficile. 56 secondes, il reste 6 secondes pour attaquer. On peut la négocier convenablement cette attaque. Oui, il faut chercher la faute. En cherchant le jump shot, c'est hop, marqué. 47 secondes. Et un aller-retour. Kidd. Defense, tout le public est avec. Robinson, il ne peut pas avoir cette balle. Dans la ligne de passe. Kidd, ça va devenir très juste. Il est fort. Faute. Ça passe très loin à côté, hein. Airball. Oui. Mais il n'y avait personne qui était libre. Difficile. 30 secondes à jouer. C'est étonnant quand même que Hardaway ne reçoive pas le ballon.
On essaye de presser Sprewell. Et il y a une faute là. Alors on choisit la stratégie de faire des fautes. Effectivement, pour avoir le ballon le plus vite possible, en retour pour pouvoir marquer un panier. Et on se réunit, on se parle du côté des Suns. Mais en attendant, on n'a pas encore le ballon. Il n'y a pas de lancer franc. Et voilà, une nouvelle faute, et c'est Sprewell qui va pouvoir les prendre, ces lancers francs. André, les statistiques de Sprewell au lancer franc? Eh bien, pas mauvais, c'est à 86% de réussite. New York plus 2. Il est bon. Eh oui, tu le mets dedans. Eh bien, c'est fait. Ah ben, vous avez déjà un résultat, il est surprenant là. Minnesota a passé une raclée à Toronto, au Canada. Eh bien, 4 points d'avance. 4 points d'avance pour New York. Et on est dans les 30 dernières secondes. Donc maintenant, il faut essayer de trouver un tir rapide à 3 points avec les joueurs qui jouent le rebond offensif à l'opposé. Et puis le pressing et la faute immédiate. Alors, qui a 3 points? Clifford Robinson. Hardaway. Hein. Penny Hardaway. Attention. Ou Ronnie Rogers. La passe pour qui? Pour Gugliotta. Gugliotta, Kidd. La balle ressort. Voilà. C'est Robinson. Et ça ne rentre pas. Et c'est même une perte de balle. Il reste 13 secondes à jouer. Là, c'est fini. Oui, New York a gagné, je pense. Hein. Et on manque de pressing. Fort, on manque de pressing. Il faudrait vraiment un événement invraisemblable pour que ça rebondisse. Voilà. Childs. Qui va se libérer. Oh là! Il n'y a personne. Oui. Si, voilà, Childs a encore le ballon. On va faire la faute. Faute de Kidd et deux lancers francs pour Chris Childs. Bien joué, Dewing, encore une fois. Il était parti en zone offensive. Voyant que ses équipiers ne se libéraient pas, c'est lui qui est venu rechercher la balle. André, on est resté plus de 7 minutes sans mettre un panier de plein jeu du côté des Phoenix Suns. Oui. Alors qu'est-ce qu'on dit là? On dit qui ont laissé échapper le match ou bien... Je crois que c'est eux qui ont laissé échapper le match. Mais c'est surtout la possibilité, cette capacité plutôt des New Yorkais de serrer leur défense et d'arriver justement à provoquer les erreurs d'adversaire. Eh bien New York a 6 points d'avance, c'est la première fois qu'ils ont un tel écart, en leur faveur en tout cas. Dans cette rencontre, on va vivre les tout derniers instants de ce match avec un ballon vers Ronnie Rogers qui prend un jump shot désespéré. Il le met. C'est bon. Et 6 secondes à jouer, 3 points d'écart. Alors, faute immédiate. Faute. Voilà, elle est faite sur Alan Houston, mais Alan Houston est aussi un bon shooter. Excellent shooter au lancer franc, 82%. Et c'est pour ça que aussi, pour New York, il est important de donner les ballons au shooter de lancer franc. Voilà, ça fait 4 points d'avance, ça veut dire que maintenant le match est gagné. Oui. Définitivement, oui. Le match est gagné pour les Knicks. Et Alan Houston aura été impeccable à la ligne de lancer franc jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Ça fait même 5 points d'avance dans un match où on aura très peu marqué. Vous savez que le nombre de points est nettement en hausse cette saison avec les nouvelles règles. Bah ici, on se revoit au bon vieux temps où les Knicks limitaient l'adversaire à moins de 80 points. Effectivement, mais donc une très bonne défense de part et d'autre, mais une défense qui joue de moins en moins physique. On joue moins avec les mains et avec les coudes. Plus collectif. Voilà, beaucoup plus collectif. Les switches, c'est-à-dire les couvertures ont été très bien faites de part et d'autre. Excellent match. Excellent match. Et victoire très importante pour les Knicks qui ont deux matchs difficiles en perspective, dimanche contre Philadelphie et lundi à Miami. Au niveau statistique, 7 joueurs seulement ont été utilisés du côté de New York. Ewing, 25 points, 10 rebonds. Et de l'autre côté, Kidd, présent au rebond et aux assists, 2 points seulement, ce qui fait la différence entre les deux équipes. Là aussi, les pertes de balles, un tiers de plus, ont amené un tiers de points marqués en plus du côté de New York. Une anecdote pour aborder ces résultats, chaque ticket d'entrée à Toronto portait la mention. En 4 ans, les Raptors sont invaincus face à Garnett et aux T-Wolves. Hyper motivés, ces derniers gagnent de 22 points et KG est à 2 assists d'un triple-double. Difficile succès des Heat face aux Cavs. 30 points pour Hill, 29 pour Stackhouse. Les Pistons jouent des Warriors. Rien ne va plus à Milwaukee, battu pour la 7e fois consécutive à domicile. Iverson marque 25 points à 40% de réussite.
Malgré l'absence de Tim Duncan, les Spurs s'imposent à Chicago. David Robinson et Malik Rose font la décision dans le quatrième quart-temps. À Utah, l'homme qui fait la décision s'appelle cette fois Greg Ostertag. 11 points, 6 rebonds, mais surtout 6 blocs dans le seul dernier quart-temps. La surprise de la soirée, les Hawks, emmenés par Ryder, survolent le quatrième quart-temps 29-13 et s'imposent joliment à Seattle. Enfin, LA enregistre son 10e succès consécutif. Le coup d'à-coude est toujours intense entre Miami et New York qui se rencontreront lundi en Floride. Pour Orlando, les rêves de play-off s'éloignent de plus en plus. Derrière Indiana, Charlotte s'installe un peu plus confortablement dans le deuxième siège. Detroit retrouve la parité, autant de victoires que de défaites. Et Milwaukee s'est mis tout seul en porte-à-faux avec 7 défaites en 8 rencontres. San Antonio devance toujours Utah, mais les équipes ont désormais le même nombre de défaites. L'effet Rodman apporte du show et de l'intérêt pour Dallas. Côté sportif, rien n'a véritablement changé. Enfin, Lakers et Blazers parent toujours avec 80% de réussite et des séries en cours de 10 succès consécutifs. Phoenix reste 3e devant Seattle et Sacramento. Et nous nous retrouvons.